Ok, bon débat tout le monde, merci de vous avoir côté les sous les autres lamba et goussi soupe et goussi et ça couche tout le lamba plat yaba yaba ouest africain et ça mbika et goussi bon va bien en mbika pour na goussi na biso tout en a besoin en tabana biso on poso en gombe tout en a besoin à tomate na biso ndembi mafuta mbila oyo eza vegeta nanga epice ya nyama tangawisi nanga ndambu ai na muscade oignon poivron mbisa okaoka legume na biso tokotya ndambu ozala epina pilipili tomate na crayfish so tokobanda nanu na kotya nyama na biso na moto elamba taba na poso ya ngombe nasi na sokola kyango na ochana no maite no water pona now na ochana maite na kocha ndembi na ngai scallion un peu d'oignon juste pour commencer et je vais mettre tangawisi une cuillère de gingembre ginger muscade nutmeg pour la viande notre végétal épice je mets deux parce qu'il y a beaucoup de viande il y a mis à moi mingi donc il y a kocha aïe mince garlic une cuillère aussi d'ail après on va laisser le robot ta maille après pour continuer de tourner pour balola mon feu est déjà on va continuer tabanabi ce selembi na mai na posonango sikolo eloto sala on tobanda préparer pour la mbika na biso la première des choses ezali mafuta na biso ya mbila et balika chauffer palm oil ezaka ke ezo moto tuna besoin de ke et balika ezaka ke chauffer that all we need for it to warm oiza tomate, oignon, na poivron, na biso, toniki. On fait la biso chauffer, c'est moins d'amour. Ok. Ma fouta, et je vais en tout. Tu as besoin de baloukate, mais échauffer juste. Je vais mettre ma tango, le nanga, au la biso, ma tati. Et là, maman. Na mafuta, mon petit tango, pendant quelques temps. Et là, on va faire la sikolo. On va faire le mélange de notre. Ma foute est là, ma bakuna. Je vais faire le mélange de mi cannabis au courge. Courge cannabis. Je vais mettre un peu d'eau. Notre sauce est là, maman. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'eau. La courge au fur et à mesure. La mika. Je sais ça là. Comme une pâte que ça va en attendant on attend que notre sauce puisse préparer sauce et là comment il dit cette coquille et diminuer maintenant ce que je veux faire je veux mettre mon égoussi ah, comme des boules comme on fait en Afrique de façon que et l'ambama je dépose juste je ne veux pas faire des boules mais je fais ça juste pour la cour je vais laisser ça mijoter un peu je bouge juste un peu je vais laisser ça mijoter pendant 5 à 10 minutes de façon que maï et kaoka tout ce qui na ma et du matonga le colo on est au calimango. Je vais laisser ça pendant ma moto ma capacité pendant au moins 5 à 10 minutes. Si, le cannabis est calimango, il n'y a plus d'eau, il n'y a que l'huile. Ma foutre à faire un peu de zone de la main.
Je vais vous montrer comment faire la sauce. Vous voir dans notre mélange, je fais le mélange. Taba, Nyama, Nambika, je vais la famille de la cheveu Nathalie Colo. Je vais mélanger. Maï, dans le maï, il y a un Nyama Nabiso, bois, de la tche, dans le Tikango, et Bella, même pendant le sous-sauté, 5 à 10 minutes avant. Naya kubakisa ilo mususu ma tokutia mbisa wakauka na biso na biloko na biso mbisa wakauka na delutu ya crayfish na kumilange elamba na mususu même pendant 10 minutes encore avant que wakisa. Je vais mettre mon bouillon, mon cube magie de allspice ya Aja. Vous pouvez trouver ça chez les Africains. Après, je vais ajouter une pincée de sel. Ça va. Donc, sel. Sel de mer. Après, je vais mettre mon piment. Je ne vais pas l'écraser. Je vais juste les déposer, juste pour l'odeur et la saveur. Je ne vais pas l'écraser pour les enfants. Et je vais laisser encore le jeter pendant une dizaine de minutes avant de mettre le dernier mets. Our last part now is our spinach. Notre dernière partie, c'est notre épinard. Je mets petit à petit et je mélange. On n'en a pas vraiment besoin pour tout. Je mets juste petit à petit. Et je mélange. As you can see, je vais voir les épinards à l'intérieur. J'ajoute mon dernier, ma dernière tranche d'épinards. Et ce côté rotique, épinards, on a vu ce bel, hein, encore pendant même 10 minutes. Après, notre égoussi est prêt. Notre nourriture est prête. Okyomon en tabanabiso. Posonabiso en gombe. Biso au kakaizo monana. C'est bon. On peut le manger avec notre foufou. Surtout là, on a yam foufou. Il y a un Nigérien. Foufou de l'ignam. Comme on a préparé la nourriture ouest africaine, de préférer qu'on ait un goût carandine et bon, on a un goût. Et occupé, on a un foufou nabiso normal. Il y a planté, il y a masango, il y a manioc, kwanga. Notre nourriture est prête. Merci. De Botala et Bisson, Bobo Sanate, de subscribe et d'aimer notre channel et aimer notre recette aussi. On se revoit à la prochaine. Merci. Bye bye.